Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu Nord vs Sud, le jeu vidéo de la bande dessinée des Tuniques Bleues. Et bah franchement ça fait plaisir parce qu'il est totalement gratuit. Après il y a une version payante, mais pour le coup on va découvrir la version gratuite du jeu. Allez, on se lance tout de suite dans la partie, sachant que si vous êtes sur mobile Android ou iPhone, c'est compatible. Forcément, donc il y a juste à se faire plaisir en téléchargeant le jeu gratuitement, les amis. Allez, on est lancé. Bienvenue sur la carte stratégique. Mon général, l'ennemi a été repéré. Il est redoutable. Pour gagner, nous devons capturer tous les forts qu'il possède et lui détruire toutes ses armées. Chaque soldat sur la carte représente une armée. Le nombre de boulets symbolise sa puissance. Voici l'une de nos armées nordistes. Et voici une armée ennemie sudiste. Envoyons-lui une de nos armées pour engager le combat. Nous pouvons sélectionner une de nos armées et sélectionner une case adjacente en surbrillance pour qu'ils s'y rendent. Si deux de nos armées se retrouvent sur la même case, nous pouvons les fusionner. Une zone capturée par un camp lui appartient tant qu'une armée ennemie ne s'en empare pas. Les forts sont très importants. Pour les capturer, il nous faut posséder l'état indiqué par un drapeau. Et les voies ferrées relient deux forts. Pour capturer une voie, il nous faut posséder les deux forts qu'elles relient. Les territoires traversés par la voie ne sont pas nécessaires. Plus nous contrôlerons les voies ferrées, plus nous récolterons de l'or au début de chaque tour. Le trésor de chaque joueur est visible en haut à droite de l'écran. La boutique est accessible à tout moment. Se placer sur une voie ferrée appartenant à l'ennemi est très stratégique. Quand le terrain ennemi passe, il devient possible de le piller. Le port de Caroline du Nord reçoit régulièrement des armes gratuites. Des armées gratuites, cela peut offrir un grand avantage. Ok, allez, on va se lancer. Le match nul de la bataille de Bull Run résonne comme un faux départ pour les deux belligérants. Mais dorénavant, le Sud est mené de main de maître par Lee. Les opérations vont changer de rythme. C'est ton tour. Alors, première remarque, déjà, ils auraient pu agrandir l'écran. C'est-à-dire que là, ils ont mis deux trucs sur les côtés au lieu de faire un vrai plein écran. Bon, on peut zoomer quand même, mais je vois pas l'intérêt des petites rainures en bois, là. Sincèrement, je vois pas. Ok, donc on va essayer d'attaquer. Je vois au milieu, regardez bien. C'est Tennessee. Ouais, écoute, je clique dessus. Je sais pas si je peux le... Je sais pas comment je peux faire pour lui dire d'attaquer. Je sais même pas si on peut attaquer directement comme ça. Ah, donc j'ai cliqué déplacement des troupes en cours. Le Kentucky attaque le Tennessee. Les nordistes sont très déterminés. Une bataille se prépare. Menons nos unités au combat et atomisons les unités ennemies. Mais si ça tourne à la catastrophe, il ne vaut capituler que de perdre tous nos hommes. Les soldats sont nombreux, mais ils sont lents et fragiles. Très mobiles, ils peuvent se déplacer dans toutes les directions. Les cavaliers sont rapides et puissants au corps à corps, mais une fois lancés sur leur cible, ils ne peuvent plus reculer. Les canons tirent des boulets dévastateurs, très puissants, ils ne se déplacent cependant que verticalement. Voici nos munitions, boulets de canon, si ce nombre de tombe à zéro, alors les canons battent automatiquement en retraite. Si nous assignons une cible à un canon, il intégrera après s'être automatiquement déplacé. Ok, bon, on va se lancer un petit peu. Ok, les deux armées sont là, 10 boulets contre 10 boulets. J'ai dit à mes boulets d'attaquer les autres boulets et du coup, mes hommes à terre vont attaquer les chevaux. Et je vais essayer d'attaquer les hommes à terre avec mes chevaux. Oulala, j'ai perdu. Oh, les chevaux traversent la mer, ça c'est bien. Oh, attends, mais j'ai perdu plein d'hommes. Je suis tout seul. Mais c'est... Oh, mais c'était. Mais j'ai perdu mon armée. Mais c'était trop rapide. En plus, j'ai rien fait de spécial quoi. Ah, ça va être très très dur, on est 25 contre 1 là, faut battre en retraite. Ouais, j'ai vu que l'armée était détruite, on était... Ah, j'ai rien compris. J'ai dit à mes boulets de canon d'attaquer les autres boulets. Ça les a mis vers le haut, donc du coup ils sont pris tous les boulets. Ensuite on a eu l'attaque à chevaux. Et mes hommes avec les pistolets n'ont rien pu faire. Et mes chevaux ont été décimés par les hommes... Avec leur tir adverse. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On réattaque? Là, vraiment, je veux comprendre. Hein.
Non, j'ai même plus d'hommes. J'ai même plus d'hommes. Bon, je vais essayer d'attaquer les boulets. Déjà, on va essayer de voir ça. Donc, on peut gérer en temps réel la position. Mais je comprends pas. Les amis, je comprends pas. J'ai perdu 3 fois de suite. Je dois être vraiment nul. En tout cas, ce jeu Nord vs Sud est totalement gratuit. Pour ceux qui aiment les tuniques bleues et qui veulent se replonger dans un vieux jeu vidéo, car il était sorti à l'époque sur PC, si je ne dis pas de bêtises, et sur PC c'est un grand classique. Et donc là on est vraiment sur la version mobile. Moi je trouve que c'est intéressant, il faut creuser. Les commentaires, il y en a des bons, il y en a aussi des mauvais, il y en a qui préfèrent le jeu sur PC. Moi je dis sur mobile, bah c'est beaucoup plus pratique. Donc autant essayer de s'entraîner, de devenir meilleur et voir si le jeu vaut la peine. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau jeu.